Le mois de septembre est souvent caractérisé par la tombée des premières fines pluies qui font pousser de terre des champignons, aliments très agréables, prisés par beaucoup de Congolais et qui se préparent de diverses manières. Le champignon a plusieurs façons de préparer le champignon. Vous pouvez préparer le champignon avec la moambe. Le plus au moins, c'est la moambe que je préfère manger le champignon. Un peu de poisson fumé ou bien un peu de... Comme je suis... Moi-même, un gros paysan, avec la viande, c'est bon, ça passe, ça fait du bien. Le plat ou bien la viande, c'est le poisson fumé aux champignons. J'aime manger le champignon au poisson fumé. Un bouillon comme ça, vraiment, c'est 5 sur 5. Ça fait du gaz. J'en mange beaucoup. Les gros champignons, les petits, là même je suis à la quête pour que j'achète aujourd'hui à 1200. Ce pontonneux grain parle des bienfaits de la consommation des champignons pour le corps humain. Quand je mange des champignons, je suis dans mon assiette. On sent que c'est sa saison et que pour moi, j'aurais souhaité que la période des champignons s'étale pendant toute une année. Je ressens en moi comme je mange quelque chose de bio. De bio, je fais du poids, je dors convenablement, je n'ai pas d'insomnie, je ne suis pas surmené. Riches en fer, en minéraux, mais aussi en vitamine B, les champignons renforcent les os, maintiennent la peau en bonne santé et fortifient le système immunitaire. C'est donc pour leur bonne saveur et leurs apports nutritifs que les Congolais s'en raffolent.